Georges Gigarello nous adoptons euh, depuis euh, quelque temps déjà ensemble oui. un, un point de vue qui est celui d'une histoire culturelle du sport. Euh, cela nous conduit assez logiquement à aborder la question de la technique et de l'évolution des techniques. Absolument. – Et peut-être euh, faut-il commencer par euh, non pas les techniques du sport, mais les techniques du corps. Il faut bien les, les distinguer. Alors, bien euh, sûr. Il faut les distinguer. Et en même temps, euh, il faut penser à leur relation possible. Alors, commençons par les techniques du corps. Un de ceux qui en a parlé avec le plus de pertinence, c'est Moss. Les gens qui travaillent sur la question le savent bien. Mauss, qui est un anthropologue, donc qui s'intéresse finalement au comportement de l'humain au sens large du terme. Petit-fils de Durkheim. Petit-fils de neveu, Durkheim. Neveu, oui, neveu oui, Durkheim, Enfin oui. bon, qui est en tout cas qui baigne dans l'anthropologie, l'ethnologie, euh, et qui écrit dans les années 30, plus précisément en 1936, un article qui est resté célèbre et qui s'intitule Les techniques du corps. Alors que nous dit-il eh Bien, une chose qu'en un certain sens nous savons, mais que nous savons plus de façon intuitive que de façon réellement réflexive, et qui est extrêmement importante. Il nous dit, selon les cultures, les manières de faire sur des objets extrêmement précis, pour ne pas dire extrêmement étroits, varient. Autrement dit, selon les cultures, les façons de dormir ne sont pas exactement les mêmes, les façons de bêcher la terre ne sont pas les mêmes, euh, voire même, à la limite, les façons de marcher. Il y a euh, une manière d'engager le corps dans les comportements qui est susceptible de variation en fonction des grandes collectivités, un peu comme les accents euh, sur une parole changent, eh bien, les manières d'agir, les types de gestes changent selon euh, les grandes appartenances culturelles. Alors pourquoi ça nous intéresse Évidemment, ce n'est pas exactement le même problème que la question. Du sport au sens étroit du terme c'est pas le même problème parce que dans la question du sport on n'a pas le simple thème de l'agir au sens large du terme on a le problème d'agir avec le plus efficacité possible autrement dit c'est pas la façon de faire qui est centrale c'est la façon de faire en obtenant le maximum d'efficacité dans une situation bien précise, réglementée, obéissant à des normes et obéissant à des attentes tout à fait étroites. Par exemple, euh, lancer le poids euh, le plus loin qui soit. Donc, de ce point de vue, la technique du corps peut avoir un rapport avec la technique sportive, mais n'a pas un rapport étroit. En revanche, à quoi elle intéresse en quoi elle intéresse néanmoins la culture sportive, la technique sportive Elle intéresse, d'une part, sur l'idée selon laquelle les gestes que nous faisons ne sont évidemment pas des gestes naturels, ce sont des gestes construits, ce sont des gestes qui appartiennent à des collectivités. Et elle intéresse la technique sportive parce qu'on peut toujours se poser la question suivante, au-delà de l'efficacité que nous essayons d'appliquer à... La pratique sportive proprement dite. Est-ce que, au-delà de cela, il n'y a pas quand même une manière de faire qui continue malgré la recherche de l'efficacité, qui continue d'appartenir à une culture locale Autrement dit, par exemple, il y aurait un lancer de poids qui serait plutôt américain, un lancer de poids qui serait plutôt euh, anglais ou français. Vous voyez, cette question reste. Bon, euh, c'est pas l'objet d'y répondre euh, ici et maintenant. En revanche, ce que nous devons souligner, c'est d'une part l'appartenance culturelle des techniques corporelles et c'est d'autre part le fait que la question se pose sur la présence de la culture dans la recherche de l'efficacité maximale. Voilà. On pourrait peut-être revenir à, cette, à ce corps. Maîtriser, redresser oui. ce corps formé par la culture Est-ce qu'on pourrait, on pourrait illustrer cela Parce qu'on ne mesure pas l'importance de ce corps. Vous avez tout à fait travail. raison. Non, non, on ne mesure pas. Et en même temps, il est extrêmement important. Comme nous le disions dans des entretiens précédents, euh, la culture, c'est elle qui, qui construit nos visages, qui construit euh, nos allures, euh, qui construit nos façons de marcher. Donnons deux, deux, deux ou trois exemples, si vous voulez, qui sont extrêmement parlants, à mon avis. À mon avis. Et qui sont des exemples relativement peu travaillés. Aussi bien, d'ailleurs, par les anthropologues que par les historiens. Deux exemples très simple. Si vous regardez avec beaucoup d'attention la façon dont se tient un noble à la période de la grande monarchie française, vous verrez qu'il a tendance à traduire quelque chose qui est de l'ordre de la fierté, qui est de l'ordre de la hauteur, et en même temps qui est de l'ordre de la distance. Il a tendance à le traduire en repoussant relativement ses épaules, un peu comme s'il si mettait à distance les personnes, et en même temps en avançant euh, la partie... Euh, euh, antérieure de son corps, c'est-à-dire son ventre. Donc, les postures de la noblesse classique sont des postures que je qualifierais d'archées. Et vous le vérifiez, si vous regardez avec attention les gravures. Or, ce pas dit, voyez, donc il faut regarder les images pour pouvoir véritablement l'expliciter. Et si vous regardez les gravures des grands bourgeois de la première moitié du 19e après la Révolution française, vous verrez que certains d'entre eux ont peut-être le ventre avancé, mais c'est lié à ce que j'appellerais l'onctuosité euh, du corps bourgeois. mais en revanche le corps bourgeois est un corps qui est campé. C'est un corps qui est marqué avec les épaules, un peu comme si déterminé de l'entre je ne veux pas schématiser, mais de l'entreprise et de la volonté. Et on voit très bien comment du coup deux grandes appartenances culturelles qui sont distinguées à la fois euh, par la thématique sociale, mais distinguées aussi par la distance. Temporel. Deux grandes appartenances renvoient à deux types d'apparaître et à deux types de se tenir physiquement sur ses jambes et d'offrir son corps au regard de l'autre. Alors, ça, c'est la, la posture, mais, mais le corps lui-même est façonné je dirais, dans, sa, dans sa morphologie, pas simplement la posture. On donne souvent l'exemple, en Bretagne, on bandait la tête des enfants pour leur donner une forme particulière. On pourrait dire que le sport, il procède au fond de ces deux maîtrises, et de la posture et du corps dans sa oui, parce morphologie. Que, parce que la, la, la tendance spontanée, en quelque sorte, d'une culture, c'est d'essayer de donner à l'apparence extérieure des corps de ceux qui appartiennent à cette culture, de lui donner des signes qui sont des signes de reconnaissance. Donc, on oublie cela, mais vous avez tout à fait raison. Pendant très longtemps, euh, dans, selon les lieux en quelque sorte euh, en France, il y a une façon d'effectuer de, des gestes sur l'enfant pour que ces gestes aboutissent à des corps qui soient différents. Donc on, on sculpte en quelque sorte, on sculpte vraiment l'anatomie du crâne pour donner des formes en peinture, pour donner des formes rondes, etc. – C'est sculpture de soi, n'est pas animal, une image. – C'est complètement oublié, oui. mais on voit très bien euh, comment le, le, le projet, c'est d'arriver à obtenir des morphologies, qui évidemment sont des morphologies culturelles, mais qui sont des morphologies qui ensuite restent, sont inscrites dans les os et pas seulement dans les muscles, des morphologies qui signifient immédiatement l'appartenance. Donc on voit, vous voyez, on pourrait dire, on voit d'une part, évidemment, le costume régional qui, dans l'entrée longtemps, a joué euh, ce rôle, mais d'autre part, euh, la façon d'inscrire euh, en quelque sorte euh, le signe, d'implanter, de, de, je dirais, de transformer en physiologie euh, le signe de la culture euh, sur le corps. Alors on pourrait ajouter euh, le problème suivant, c'est que dans notre histoire récente, on voit bien comment de grands modèles ont bougé et font que l'apparence du corps, pas seulement sur le problème des costumes ou sur le problème de la, euh, de la propreté, euh, et on voit comment l'apparence du corps entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle s'est complètement transformée en fonction même du modèle. Par exemple, à l'évidence, le corps en santé euh, à la fin du 19e siècle, c'est un corps qui obéit d'abord à des couleurs, plutôt rouge, euh, sanguin, vous voyez. Et en même temps, c'est un corps qui aboutit à quelque chose qui était relativement dense. C'est pas forcément le muscle. Hein. Ça peut être un petit peu de graisse. Vous voyez, il faut avoir un enrobement euh, qui donne le sentiment euh, d'une certaine pesanteur pas de lourdeur, mais une certaine pesanteur et le rosé euh, du visage. Or bien entendu, et en même temps avec quelque chose d'un peu rigide, d'un peu déterminé, d'un peu euh, contrôlé, si vous voulez, le purpurin britannique peut-être. Par exemple, <laughs> par exemple. Or bien entendu, les repères de la fin du 19e, de la fin du XXe, pardon, un siècle plus tard, il y a quelques années encore ou aujourd'hui, sont complètement différents. C'est la détente ce pas forcément la lourdeur musculaire c'est au contraire la disponibilité ce que vous pouvez percevoir comme étant de la mobilité souterraine dans le corps la possibilité de bouger voyez et puis c'est pas forcément le, le teint rougeau c'est au contraire le teint bronzé c'est le teint un peu hâlé c'est le teint un peu euh susceptible de traduire le fait que vous ayez parcouru de l'espace, que vous ne reveniez pas, vous n'apparteniez pas seulement à un lieu, mais que vous êtes quelqu'un qui peut circuler dans plusieurs lieux. Ça donne des choses complètement différentes physiquement et qui sont totalement inscrites dans de la culture. On va revenir sur ce point tout à l'heure, mais oui. là d'abord entre les techniques oui. du corps et les techniques sportives, il y a donc des, des continuités. Il y a aussi des, des, des différences, des discontinuités. Par exemple, les techniques du corps, elles s'enracinent dans une tradition culturelle. Y on ne peut pas dire que les techniques sportives s'enracinent de la même manière dans une tradition oui, culturelle voilà, ça. Elles ne s'enracinent pas de la même manière. Mais elles s'enracinent aussi. Alors, elles ne s'enracinent pas de la même manière parce que la culture sportive, c'est vraiment une culture de l'efficacité. Ce n'est pas du tout une, une culture de l'appartenance. Mais en revanche, dans l'efficacité elle-même, je pense que euh, la, le choix répond à la fois à des repères qui sont culturellement situés et en même temps répond à des repères qui sont, appelons-les, scientifiquement efficaces. Alors je m'explique, je m'explique. Euh, la, 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 la culture de la fin du 19e siècle, c'est une culture qui continue quand même, par rapport aux décennies précédentes, de favoriser la force. Euh, C'est une culture qui favorise quelque chose qui est plutôt de l'ordre du statique, quelque chose qui favorise plutôt la tension. On retrouve les, les questions que je posais tout à l'heure. Et au niveau de l'efficacité sportive, ce genre de repères se retrouve. Par exemple, en gymnastique, à l'évidence, euh, à la fois pour des raisons de matériaux, qui sont des matériaux lourds, le bois, euh, l'acier, donc pour des raisons de matériaux. Je parle de la gymnastique des agrès, aux agrès. Et en même temps, pour des raisons de repères culturels. Euh, les, les gestes qui sont considérés comme techniquement efficaces sont des gestes de force, sont des gestes qui favorisent la statique, sont des gestes qui favorisent la plastique physique, vous voyez. Or, aujourd'hui, les gestes qui sont considérés comme techniquement efficaces, quels sont-ils ben, Ce sont des gestes qui sont liés à des matériaux, d'abord, qui sont différents, qui sont beaucoup plus souples, qui comportent des systèmes d'élasticité, qui comportent euh, des repères qui ne passent plus nécessairement par l'acier ou par le bois, mais qui passent par les fibres, euh, par le, le, les, les plastiques, etc. D'une part et d'autre part, euh, qui passe par des repères mettant en scène ce qui plaît davantage, c'est-à-dire la rapidité, le vertige, euh, la, la, des, des modes de mobilité, l'élan, l'acrobatie. La, 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 vous voyez, c'est pas du tout euh, la même chose. Et techniquement, ça entraîne un certain nombre de façons de faire qui sont incontestablement différentes. Il peut être intéressant de, de relier les techniques du corps, les techniques du sport aussi, à l'histoire des mentalités, c'est-à-dire à, à l'outillage mental, à la manière dont on se représente le monde, le corps, on se représente la société. Alors, je pense qu'il faut les relier, euh, d'une part, comme je le disais à l'instant, mais je le redis, ne m'en veuillez pas, je pense qu'il faut d'abord les relier à la manière dont existe une culture une, une technique dans l'espace environnant euh, par exemple euh, il y a euh, une période qui est celle de la moitié euh, du 19e siècle où dominent manifestement euh, les objets lourds euh, c'est-à-dire euh, les euh, les bois euh, les aciers comme je le disais les fontes ce qui entraîne des techniques ce qui rejaillissent sur la façon d'agir euh, en Imposant en quelque sorte un certain nombre de gestes. Ça, c'est l'environnement. Vous voyez, la technique physique ne peut pas se penser sans la façon dont elle est englobée par un milieu, et le milieu détermine des façons de faire. On pourrait d'ailleurs sophistiquer et rentrer dans beaucoup plus de détails, mais euh, on pourra le faire dans un second temps. Et puis, il y a une deuxième question, effectivement, qui est liée à la question, à, au, au thème que vous abordiez. Je pense que la culture physique, euh, dans la manière dont, dont son efficacité est envisagée, il y a de grands problèmes de culture. Et, et donc, euh, le, le privilège donné à certains types de qualités physiques par rapport à d'autres, à certains types d'apparence physique par rapport à d'autres. Euh, Alors, pour être plus concret. On voit bien que pendant très longtemps, on dominait deux qualités physiques essentielles. Les livres le disent, les pratiques le disent aussi, la force et l'adresse. Or, dans les périodes qui se sont déroulées à partir de la fin du 19e siècle, brusquement, vous voyez une véritable effloraison de qualités physiques différentes, qui sont beaucoup plus nombreuses et qui impliquent des, des pratiques différentes. La détente, la vitesse. La vitesse est présente pendant longtemps, mais elle est renvoyée à de la force. Or, elle va avoir des qualités parfaitement spécifiques à partir de la fin du 19e et au 20e. La coordination, la sensibilité. Bref, s'ouvre un spectre considérable de qualités physiques nouvelles qui est lié à la culture de plus en plus ouverte sur le corps, de plus en plus centrée sur. Euh, euh, la, la, la mobilité, la disponibilité, la maîtrise, la fluidité euh, de ce corps, et ça entraîne, ce, 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 cette thématique-là, entraîne euh, l'apparition de pratiques et de techniques complètement différentes. Je terminais sur un point que je trouve, moi, extrêmement important. Quand je disais qu'était important l'environnement technique, et l'environnement, appelons-le, à la limite économico-culturel, de la technique. Je dois dire que l'environnement aujourd'hui, c'est un environnement où c'est plus vraiment, même si elle n'a pas disparu, c'est plus vraiment la machine à vapeur qui est, qui est au centre et c'est plus vraiment la grue non plus, les articulations, les mécaniques, etc. De plus en plus, ce sont les électricités, l'électronique, le numérique et cela a beaucoup de conséquences sur la façon dont on perçoit le corps et sur la manière dont on imagine des techniques aussi. Sur la manière dont on peut inventer des techniques et des jeux. Et je trouve que depuis quelques petites décennies, nous sommes extrêmement centrés, nous l'avons dit dans des entretiens précédents, mais je pense qu'il faut le redire, nous sommes extrêmement centrés sur euh, des pratiques qui favorisent ce que j'appellerais la rétroaction, c'est-à-dire la perception des informations venues de l'extérieur et immédiatement la réaction par rapport à ces perceptions, d'où. Qu'est-ce que ça entraîne comme technique nouvelle Les techniques de glisse, euh, les techniques de, 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 de chute, euh, les techniques de vertige, ça, qui ouvrent un espace totalement nouveau de pratique et en même temps ouvrent un espace totalement nouveau de technique. Donc vous voyez bien qu'il y a du coup trois grandes données euh, qui me paraissent vraiment fondamentales. L'environnement technique, l'environnement économique, ne l'oublions pas, et l'environnement culturel, évidemment. On peut se poser la question depuis quand enfin, C'est difficile de faire une genèse oui. de ce genre, mais depuis ah, c est quand L'idée, oui. par exemple, que l'on puisse transformer son corps par la pratique sportive, par exemple. Est-ce qu'on peut repérer cette genèse et éventuellement la périodiser avec de grands moments euh, je, je crois qu'il y, qu y, y a une donnée qui a toujours existé et qui n'est pas forcément celle de la transformation, d'ailleurs, du coup, votre question est effectivement importante. Il y a une donnée qui a toujours existé, c'est celle de l'exercice. L'exercice a toujours été considéré depuis l'Antiquité comme euh, une manière euh, euh, d'entretenir et éventuellement d'améliorer la performance, quoique très difficile de voir la part prise par exemple chez les Grecs parce qu'on pourrait appeler l'exercice préparatoire et la réalisation du geste lui-même. Très difficile de situer l'exercice préparatoire. Je pense que ce qui a toujours été euh, considéré dans ce que j'appellerais, moi, euh, la société occidentale moderne, c'est-à-dire celle qui naît, disons, avec la Renaissance euh, dans euh, l'Occident européen, ce qui a toujours été considéré comme apporté par l'exercice, on le voit dans les textes canoniques euh, des artes Gymnastica de Mercurialis au XVIe siècle, de l'art de la gymnastique, ce qui a toujours été considéré comme possible, c'est, au fond, le fait de pouvoir à la fois entretenir la santé et en même temps, quand même, on le voit aussi chez Rabelais par exemple, dans les exercices qu'il propose à Gargantua ou à Pantagruel, et quand même améliorer la façon de faire. En même temps, il y a toujours eu à l'arrière-plan cette idée selon laquelle si vous vous exercez, vous éviterez par exemple le fait de devenir trop lourd. Par exemple, le fait d'être gagné par une présence excessive de la Grèce, il y a quand même toujours eu cette, cette vision à l'arrière-plan. Mais je pense que ce qui s'est vraiment profondément transformé et ce qui a quand même ouvert l'idée de possibilités totalement originales, c'est quand même ce sont quand même les pratiques de la, les pratiques de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire les pratiques qui, qui sont liées à l'apparition du sport. Alors pourquoi et comment eh bien, d'une part parce que elles se sont de plus en plus centrées sur un objet qui est devenu véritablement repérable et localisable, qui est le muscle. Par exemple, les gens de la fin du 19e siècle sont les premiers à dire, euh, vous pouvez améliorer la sangle musculaire abdominale, on va se centrer de plus en plus. Et c'est lié aussi au progrès de l'industrie au sens large, vous voyez, de la machine, de l'univers des mécaniques, etc. Donc on va, on va, on va, on va transformer le, le corps en, en, en immense machine susceptible de, de modulation en quelque sorte. Donc les gens de la fin du XIXe siècle sont les premiers, par exemple, à parler de sangle abdominales. Sont les premiers à dire euh, vous pouvez vraiment travailler sur tel et tel muscle plutôt que tel autre et arriver à obtenir quelque chose qui soit efflanqué au niveau de votre tronc, de la même manière ils vont dire, vous pouvez considérablement développer votre épaule, vos, vos épaules, autrement dit cette idée que les Américains vont appeler bodybuilding qui paraît totalement dérisoire et banale aujourd'hui. C'est une immense invention, invention de la fin du 19e siècle. Votre corps peut être sujet à des transformations qui sont susceptibles de révolutionner votre physique et cette idée d'une véritable révolution, elle n'apparaît vraiment qu'à la fin du XIXe siècle. Bodybuilding, c'est très original en fait ça. C'est en même temps, dans une certaine mesure, assez américain. Et lorsque l'on parle de, de technique, euh, d'évolution technique, d'histoire technique, on ne peut pas ne pas parler d'innovation technique. Alors, la question de l'innovation, est-ce que ce furent longtemps les praticiens qui ont introduit des innovations techniques On peut penser pas, au, au, au rouleau dorsal, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation technique euh, ne vient pas d'ailleurs, par exemple de la science ou de, ou de techniciens spécialisés, de laboratoires spécialisés Est-ce que cette, ce nouveau rapport entre à la fois la technique, l'innovation et la science, euh, Engage le sport dans, dans de nouvelles voies l ils l À l'évidence, il l'engage. Mais en même temps, je crois qu'il faut bien comprendre euh, la manière dont les praticiens ont eu pendant très longtemps, et je dirais que, à mon sens, ils l'ont encore aujourd'hui, à quel point les praticiens ont eu une initiative dans ce secteur malgré euh, l'accroissement des recherches, et en particulier des recherches qui se sont développées au XXe siècle. Les praticiens ont eu un avantage, pourquoi pour plusieurs raisons, vous savez, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la pratique, ce n'est pas uniquement le terrain de la science. La pratique, y compris dans les pratiques assez élaborées, qui sont celles de la technique, la pratique, c'est un lieu original par rapport à la science, parce que c'est le lieu du faire. Et quand vous faites, vous n'êtes plus uniquement dans le savoir. Vous êtes dans quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'imprégnation physique. Vous êtes totalement investi dans de l'activité et plus dans la distance. C'est une première raison. Alors, cela dit, on sait très bien que dans les fers de techniques portant sur des objets qui sont des objets inertes, à l'évidence, la science. Peut arriver à pénétrer très fortement et le seuil en quelque sorte euh, flottant, euh, d'incernable, est extrêmement restreint. Mais en revanche, quand vous travaillez sur un objet qui est non seulement vivant, mais qui dispose des articulations qui ne sont pas géométriques, les articulations de nos, artic... de, 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 de nos genoux ou de nos épaules ne sont pas des surfaces géométriques. D'autre part, les corps qui sont en jeu ne sont pas des corps qui sont standards, ce sont des corps qui varient. Troisièmement, la manière dont vous appliquez les forces sur ces corps ne sont pas des applications qui sont elles-mêmes soumises à la géométrie. Les insertions musculaires varient d'un individu à l'autre. La densité des muscles varie d'un individu à l'autre. Donc, vous n'êtes pas face à une machine standard. Vous êtes face à une machine qui, au bout du compte, est assez singulière. Elle, elle change selon les individus. Donc, comment prévoir l'ensemble des gestes de cette machine Il faut s'attarder sur cette question. Comment les prévoir a priori Comment les construire sur une machine à dessin Comment les construire sur un ordinateur Évidemment, pour les construire dans un idéal. Mais ensuite, vous avez des individus qui sont tous différents. Et donc, on voit bien que la part d'initiative donnée aux praticiens, elle est en fait extrêmement importante. Elle a toujours été importante dans la tradition, j'ajouterais qu'elle a été majeure. Lorsque vous regardez les inventions techniques, Dieu sait s'il si y en a eu, par exemple, dans le monde du sport. Un athlétisme, on pourrait les multiplier sans fin. Vous évoquez le saut, on peut évoquer le lancer de poids de O'Brien qui invente le lancer de dos. On peut inventer les ciseaux saut, on peut évoquer pardon, les ciseaux au saut en longueur. On peut multiplier les exemples de ce genre, les pratiques de saut à la perche, etc. On voit que dans la quasi-totalité, ou les gymnastiques aussi, les, 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 les doubles vrille, etc on voit très bien que dans la majorité pour ne pas dire la totalité de ces cas ce sont les praticiens qui ont découvert et je pense qu'ils ont découvert pour la raison que je viens d'évoquer parce que l'engin euh, corporel c'est un engin euh, extrêmement particulier alors maintenant aujourd'hui il y a la recherche scientifique voilà. qui a pris quand même l'objet voilà. sportif alors euh, maintenant aujourd'hui en charge bon. alors sur aujourd'hui je pense qu'il faut dire plusieurs choses. Il faut dire une première chose qui porte sur les engins. Lorsque vous descendez une piste de ski, vous avez des outils qui peuvent être soumis à des recherches extraordinairement élaborées. Et là, vous n'êtes plus dans le cadre de la disposition corporelle des individus, vous êtes dans le cadre des outils inertes. Donc vous pouvez, de ce point de vue, considérablement faire avancer la recherche. Sur les systèmes de glissement, l'élasticité des matériaux, la lourdeur des matériaux, et de ce point de vue, bien entendu, on voit à quel point la recherche a pu euh, évoluer. Je prends l'exemple des skis, mais je pourrais prendre l'exemple de mille autres engins ou de mille autres outils euh, qui sont utilisés, les combinaisons. La combinaison de natation dont on parle dans les semaines euh, récentes, ça c'est un point quand même considérable parce que. On voit bien que c'est un facteur de transformation et d'évolution. Euh, pour en rester encore une seconde au ski, euh, il est évident que les façons de descendre euh, en ski aujourd'hui sont devenues totalement différentes parce que la recherche portant sur les engins, la recherche portant sur les systèmes de glisse a eu des effets eux-mêmes considérables. Alors, si on en vient en revanche à l'autre euh, versant, qui est le versant euh, du corps et de la physiologie, bien sûr des recherches très importantes ont pu euh, faire avancer un certain nombre de questions sur euh, les résistances, euh, les, les problèmes cardiaques, les problèmes de consommation, euh, les seuils de fatigue, euh, les perceptions de fatigue. Donc là, il y a eu des recherches très, très importantes qui ont pu, euh, qui ont pu quand même avancer. Mais ce que je constate et qui me paraît absolument passionnant, c'est que l'initiative du praticien reste quand même grande. Reste quand même très grande. Prenons l'exemple du football. Voilà. Est-ce qu'on peut sur une planche à dessin ou sur un micro-ordinateur inventer euh, des types de, de, de feintes ou des types de, de jeux entre la jambe et le ballon. C'est pas un, une question qui peut paraître triviale, ce n'est pas une question triviale. Bon, est-ce que le micro-ordinateur peut faire beaucoup Il peut faire un peu. Il peut faire un peu. Mais vous savez, c'est quand même Zidane qui a inventé euh, ce qu'on appelle les fameuses roulettes et ce pas le savant sur le micro-ordinateur qui est allé lui indiquer. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que je trouve que c'est un problème qui est doublement intéressant. C'est un problème qui est intéressant parce qu'il souligne un côté, appelons-le, épistémologique, qui porte sur l'invention du praticien et l'initiative du praticien. Mais c'est un problème qui est intéressant pour le spectacle. Dans la mesure où on voit que le spectacle qui pour certains chercheurs euh, mettrait le, le, le spectateur face à des mouvements complètement mécanisés eh bien on voit que ce spectacle pose des questions beaucoup plus compliquées et que ce qui fait sans doute l'excitation du spectateur c'est de constater que le praticien a de l'initiative c'est que le praticien peut inventer c'est que le talent du praticien peut s'imposer par rapport à un autre et que dans ce cas-là euh, l'excitation du spectacle grandit, vous voyez. Donc ça, ça, ça pose un problème qui n'est pas seulement épistémologique. Ça pose un problème qui est anthropologique, qui porte sur le plaisir que le sport peut provoquer, ce qui porte sur l'excitation que ce sport peut provoquer, et qui montre que des corps qui apparemment sont des machines sont tout sauf des machines. – Mais d'un autre côté, oui. euh, l'intervention de la science et de la technique, elle peut être très, entre guillemets, invasive, c'est-à-dire euh, dans la conception de prothèses, dans la, dans la manière, euh, parlons pas de l'homme bionique bien sûr, mais, mais tout de même, c'est une, une intervention en profondeur. On parlait tout à l'heure de la transformation du corps, euh, par les techniques du corps, par les techniques sportives, les technosciences, hein, la conjonction de la science et de la technique a une puissance d'intervention euh, considérable. – Puissance absolument considérable, puissance… À l'égard de laquelle, me semble-t-il, nous sommes dans une position initiale. Je pense que vraiment, on entre dans une période où on peut imaginer euh, le fait que s'ouvrent des recherches qui euh, laissent apparaître des possibilités qui étaient insoupçonnées jusque-là. Et ça pose vraiment plusieurs problèmes. Ça pose plusieurs problèmes. Ça pose un premier problème euh, qui est celui euh, de la mise à égalité des compétiteurs. Euh, Bon, c'est peut-être pas le problème le plus important. Ça pose un deuxième problème qui me paraît beaucoup plus important, qui a un enjeu euh, euh, non seulement anthropologique, mais un enjeu à la fois moral et sanitaire. Ça pose un deuxième problème, qui est le suivant. I Imaginons. Pour l'instant, je dis, nous sommes à l'origine de ça, nous sommes vraiment euh, à la période initiale, pour reprendre le terme que je disais tout à l'heure. Imaginons que quelqu'un euh, découvre euh, de, brusquement euh, de nouvelles résistances, par exemple à l'effort, euh, le fait de transformer les modes euh, de, de consommation du sang, de combustion du sang, etc. Et donc donne la possibilité à des individus de résister infiniment plus sans qu'il y ait le recours à des objets qui soient immédiatement dangereux. Imaginons que cela soit possible. Est-ce qu'à moyen terme et à long terme le danger ne va pas se révéler Vous Voyez, est-ce qu'à moyen terme ou à long terme nous ne risquons pas de faire exister quelque chose qui, au bout d'un certain temps, peut apparaître comme relevant de la monstruosité C'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Et donc, du coup, je pense que nous sommes dans cette période appelés à une question qui jusque-là n'était qu'une question latente, mais qui me paraît maintenant euh, devenir euh, une question en quelque sorte euh, explicite, si vous voulez, euh, ouverte. C'est la question d'éthique. Autrement dit, les transformations qui semblent possibles sont des transformations dont nous ne savons pas jusqu'où elles peuvent aller et euh, qui peut, au fond, évaluer leur légitimité. Je pense qu'il faut absolument euh, ouvrir une réflexion. Euh, sur euh, l'éthique et la création. Il existe un tribunal arbitral du sport. Je pense qu'il devrait exister aussi des comités éthiques du sport. Là, c'est l'occasion de faire une distinction. Il y a oui. les sciences dites dures, il y a oui. les sciences humaines aussi. Bon, et les sciences humaines, à la fois, elles ont un rôle à jouer peut-être pour cette évaluation, pour ce regard critique, pour être capable de, de lire un certain nombre d'enjeux. Mais elles ont peut-être, elles aussi, un mode d'intervention, un mode opératoire dans la, dans la manière de façonner les corps, de transformer les corps. Mais bien entendu. Imaginons, par exemple, les sciences les, les humaines interviennent sur la, la, les comportements euh, et elles interviennent sur euh, les sensibilités. Imaginons que. Euh, se découvrent brusquement euh, des façons euh, de transmettre euh, des, des sortes de, 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 de sentiments euh, intérieurs d'obligation et de, et de détermination qui aboutissent à ce que le sujet, dans une certaine mesure, soit désapproprié de lui-même. Imaginons que cela soit possible. On n'est pas très loin de ce genre de, de... donc là encore j'y reviens j'y reviens je pense que euh, une réflexion c'est un peu simple ce que je veux dire mais encore faut-il l'appliquer je pense qu'une réflexion sur euh, l'éthique est absolument quand on nous, nous, nous ouvrons sur des périodes euh, qui rendent euh, ce, ce projet euh, à mon sens indispensable et cette réflexion cette réflexion sur l'éthique est une réflexion euh... Qui doit être politique, euh, sociale, euh, culturelle Quel est le statut de cette réflexion ben, le, le statut, c'est qu'est-ce qui renvoie à l'humain À partir de quand Enfin, vous voyez, c'est seulement une question, c'est seulement une réponse philosophique euh, et culturelle qui, qui euh, peut être envisagée. À partir de quand sortons-nous Risquons-nous de sortir de l'humain Et donc votre à partir fonction, risquons-nous de sortir de l'humain Votre rôle, en d'autres oui. termes, vous, philosophe, historien, anthropologue, c'est de d'aviver dans la cité finalement cette réflexion bien sûr, bien sûr. sur je, le sport. Je pense, je pense que, que nous n'y échappons pas et, et, et le dopage le montre. Le dopage montre la sanction du dopage aujourd'hui, c'est à la fois une sanction institutionnelle et c'est aussi malheureusement une sanction physique, la, la destruction de l'individu. Mais on, on, on peut très bien imaginer des pratiques. Sur lesquelles la sanction physique n'est absolument pas immédiatement perceptible et qui risque de s'avérer euh, euh, terrible dans un certain nombre d'années. On peut aussi envisager des pratiques qui séparent l'humanité en catégories tellement distinctes qu'elles ne peuvent plus véritablement fonctionner ensemble. Je crois que cette question est terrible et elle est présente. Nous avons parlé du, du corps, des euh, techniques euh, du corps, techniques sportives. Euh, chaque fois que l'on parle du corps, que l'on intervient sur le corps, qu'on le transforme, il y a des mises en scène du corps, il y a des dramaturgies, il y a des, des, des mythologisations. Euh, que, comment, comment comprendre cette, ce, ce processus Je pense qu'il y a au moins trois niveaux euh, d'approche sur, sur le problème technique euh, étroit et spécifique. Il y a une approche qui porte sur le corps, l'organisation. Euh, de ces agencements euh, euh, fonctionnels, euh, ce que j'appellerais les logiques motrices, si vous voulez, euh, les logiques comportementales. Il y a un deuxième niveau euh, qui est celui de ces entours immédiats, euh, en quoi ces entours immédiats, ces outils, en quoi peuvent-ils réagir sur... Les techniques qu'il utilise et les transformer. Selon les outils que vous avez, eh Bien, vous allez faire des gestes différents. Selon les espaces que vous traversez, vous allez faire des gestes différents. Euh, transformer physiquement une haie d'athlétisme, c'est conduire les individus à effectuer des sauts différents. Vous voyez, là, il y a un aller-retour entre l'espace immédiat, l'espace proche, et la technique proprement dite. Et puis, il y a un troisième niveau qui est celui que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais de l'espace environnant, avec le milieu technique proprement dit, qui impose un certain nombre euh, de, de gestes, euh, au fond, privilégiés par rapport à d'autres. Je pense qu'il y a, pour répondre à votre question, euh, une, un, un problème qui est extrêmement euh, important, qui est la question culturelle au sens large. Quels sont... Les gestes qu'une culture va privilégier à un moment donné, quels sont ceux sur lesquels elle va sanctionner ce qui est positif et sanctionner ce qui est négatif. Et je crois qu'il faut effectivement euh, euh, penser le sport en fonction de ces grandes, de, de, de grandes catégories culturelles. Et une fois encore, euh, le sport tel qu'il était envisagé à la fin du XIXe siècle, par rapport aux grandes catégories culturelles et en conséquence par rapport aux techniques qui étaient proposées, s'est totalement transformé. On pourrait multiplier à cet égard des exemples, par exemple les gestes féminins. Ce qui était considéré comme exclusivement féminin à la fin du XIXe siècle n'est plus du tout considéré comme exclusivement féminin aujourd'hui. Euh, Pierre de Coubertin refuse la plupart des pratiques féminines euh, en 1896. Des pratiques féminines commencent à s'introduire en athlétisme, par exemple, en 1928 à Amsterdam. Et Certaines d'entre elles, le 800 mètres, qui aboutit à des conséquences jugées comme plutôt tristes ou dramatiques, sont aussitôt refusées. Et à nouveau, il faudra des années et des années pour que les courses longues ou demi-longues réapparaissent dans la pratique féminine. Donc il y a une, une, une image du corps qui se transforme dans la représentation que s'en font les acteurs et qui autorise certaines techniques à des moments donnés qui les interdit à d'autres. Et je dois dire que de ce point de vue-là, euh, aujourd'hui, euh, la pratique féminine est considérée comme totalement équivalente par rapport aux pratiques de l'homme. Ça a des conséquences, vous savez, ça a des conséquences qu'on ne soupçonne pas. Parce que, par exemple, le, 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 ce qu'on appelait, de manière que je trouve évidemment aujourd'hui totalement contestable, ce qu'on appelait le deuxième sexe, qui était considéré comme le sexe de la beauté, qui par ailleurs s'appelait aussi le beau sexe. Pour qu'il soit beau sexe, il fallait évidemment que certaines pratiques ne soient pas les siennes. Par exemple, la course défigurait le visage d'une femme. Aujourd'hui, qui va dire que la course défigure le visage d'une femme Donc, la notion même de beauté a complètement changé. La manière dont on euh, qualifie euh, de beau quelqu'un renvoie, vous voyez, c'est quelque chose de très profond, renvoie à d'autres critères, autorise des techniques qui jusque-là n'existaient pas. Et donc, déplace également la façon dont l'homme perçoit un certain nombre de ses critères et cette beauté féminine qui peut être codée aussi bien à travers des pratiques de force que euh, à partir de pratiques de résistance transforme la vision même que l'on a de la beauté et fait que l'homme peut prétendre à des pratiques de beauté auxquelles auparavant il ne prétendait pas. Donc ces questions de culture qui semblent des questions comme ça un petit peu superficielles renvoient en fait à des problèmes qui sont extrêmement profonds et qui mettent en scène des corps qui du coup peuvent être jugés comme totalement transformés dans leur apparence mais aussi, ne l'oublions pas, comme totalement transformés dans leur technique. Ce sont des, des réflexions qui euh, sont à la, au point de contact de l'intériorité, de l'extériorité, de, de la subjectivité, de l'objectivité, ce qui suffit d'ailleurs à montrer que la, que la prétention scientifique à une sorte d'invasion, de, de, euh, entre guillemets... Euh, est une prétention qui a ses limites intrinsèques. Je, je, de manière exemplaire, la question par exemple de la santé, répondre qu'est-ce qu'être en bonne santé, c'est une question que la, que la science, même la science médicale, a beaucoup de mal à formuler à, et à inventer oui. des réponses. Et qu'est-ce qu'être en forme oui, Parce oui, que oui, là, oui, on oui. n'est pas de plein pied avec les difficultés. Ah, – on, on, on est de plein pied avec ce type de difficultés. Alors, je, je, restons un instant sur le problème de la santé. Quelle était la notion de santé envisagée de façon traditionnelle C'était l'entretien c'était je, je, gardons notre santé, voyez, conservons notre santé, ne la laissons pas être menacée. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui Nous ne disons plus conservons notre santé, nous disons améliorons notre santé. Il y a une vision d'optimisation qui est complètement nouvelle et qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle renvoie à l'arrière-plan, à l'idée de performance. Elle renvoie à l'arrière-plan aussi, à l'idée qu'au fond, on ne sait pas à la fois, on attend l'amélioration, mais jusqu'où et comment. Et en revanche, cette idée de dynamique, cette idée que on peut toujours aller au-delà, elle est à la fois profondément moderne, problématique, et je considère personnellement comme passionnante. Ça, c'est un premier point qui fait que c'est pas. Voyez, je me répète, c'est pas l'amélioration des médicaments, c'est pas l'amélioration de la prévention, c'est vraiment la transformation de l'image que l'on se fait de l'être en santé. La deuxième remarque que je voudrais faire et qui me paraît personnellement importante, c'est la suivante. Traditionnellement, être en bonne santé, c'est réaliser un certain nombre de choses comme on l'a toujours fait. Par exemple, quand j'étais en bonne santé à l'âge de 20 ans, je, je marchais pendant deux heures sans fatigue. Aujourd'hui, je marche avec fatigue, donc je suis peut-être en moins bonne santé. Vous voyez, il y a une idée de pratique, de réalisation, etc. Qu'est-ce qui a changé Finalement, ça reste. Mais qu'est-ce qui a changé C'est le fait de se ressentir, de s'éprouver. Le fait d'avoir le sentiment que les informations que vous donne votre corps sont positive et vous donne le sentiment que vous avez une maîtrise et que vous avez de la potentialité. C'est extrêmement nouveau. Le silence et des ça organes. Et oui, et c'est plus seulement le silence des organes. C'est oui. une sorte de positivisation, si je peux utiliser ce mot, des organes. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Pourquoi Parce que ça entraîne un mode d'écoute qui, qui n'existait pas et qui suscite des formes de sensibilisation et qui suscitent des formes d'attention et qui suscitent des formes d'investissement. Et je trouve que, du coup, le, le corps prend une place totalement nouvelle parce qu'il est présent non plus seulement de manière latente, mais présent de manière incitative, si vous voulez, présent de manière positive, présent de manière qui n'est pas simplement sourde, mais qui est une matière clair si on peut dire les choses comme ça. Et c'est évidemment une immense révolution par rapport à ce que nous avons pu connaître dans les décennies précédentes. Avec le passage du silence à au contraire une sorte d'harmonie, euh, symphonique. de, de ressenti, de, de, de ressenti, ressenti harmonieux désormais. De, bien sûr, bien sûr. On pourrait... Euh, ici envisagé euh, envisager par exemple parce que le sport c'est pas simplement le sport de compétition euh, c'est aussi euh, le sport qui est une pratique euh, pour soi euh, oui. et quand on parle de la santé quand on parle de la forme parce que on n'a peut-être pas assez insisté sur cette notion de forme dans sa différence avec la avec la santé qu'est-ce qu'être en forme, hein la forme dans son rapport au contenu je c'est une, une question difficile c'est une question difficile parce que le mot est déjà faussement inducteur euh, forme ça renvoie à quelque chose qui se définit par des traits or bien entendu être en forme ne se définit simplement pas par le fait d'avoir tel dessin d'épaule ou tel dessin d'abdomen. Être en forme renvoie à autre chose, qui est beaucoup plus difficile à définir, mais qui passe précisément par la sensibilité. Et quand vous suivez, je trouve que les, le problème des mots est extrêmement intéressant. Quand vous suivez les mots, vous voyez que ce mot n'existe pas au 19e. Ça n'a pas de sens être en forme au 19e. Ça n'existe pas. Et en revanche, ça commence à exister à partir des années 20 et dans l'entre-deux-guerres. Et ça existe comment Ça existe avec la montée de la sensibilité, précisément. Être en forme, c'est se ressentir. Vous voyez autrement et se donner la possibilité de faire des choses que jusque là on ne faisait pas mais ce n'est pas seulement la réalisation c'est en même temps quelque chose qui renvoie à de à, je, je, je m'excuse d'insister mais qui renvoie à de la proprioceptivité c'est à dire de la manière dont on peut se ressentir et dont on peut du coup réaliser c'est au fond une notion extraordinairement moderne avec un mot qui malheureusement est extraordinairement ancien alors, quand on parle de la, de, la, de la forme, de la santé aussi, il y a quelque chose aussi qui caractérise un peu notre époque, c'est un impératif, on doit être en forme, on doit tout faire pour être en forme. Comme il y a un impératif du bonheur, c'est n'est pas simplement une possibilité, pas, on n'est pas dans l'idéal alternatif, c'est un impératif pour bien accomplir d'une certaine manière ce que l'on est. Notre époque est difficile, si vous voulez, notre époque est difficile parce que... Euh, d'un côté il y a une dimension euh, fabuleusement intéressante et positive, qui est celle quand même de l'acquisition d'une autonomie. On dépend moins aujourd'hui, on dépend moins qu'on ne dépendait auparavant d'un certain nombre d'instances, on dépend moins du collectif, on a moins à traduire, par exemple, ses appartenances, on a moins à montrer euh, de quel milieu euh, on on ressort, on a moins à montrer euh, à quel métier on appartient. Quand vous regardez dans la rue, vous, vous distinguez moins euh, les appartenances. Vous voyez Donc là, il y a quand même quelque chose qui est très profond et qui est de l'ordre de l'autonomie, de la disponibilité de soi. Euh, on supporte moins. Euh, par exemple, il y a des mots nouveaux également très intéressants. Le harcèlement. On supporte beaucoup moins le harcèlement. On supporte moins les impositions. Donc là, quand même, ne l'oublions pas. Ce sont des gains considérables. Mais en même temps, et je rejoins... Euh, la question que vous posez, en même temps, il y a des attentes et ça renvoie d'ailleurs à l'idée de santé. Il y a des attentes. On ne peut pas être sur un mode étal. Il faut que l'on soit toujours un peu mieux. Et quelle est l'idée à l'arrière-plan Il faut qu'on se réalise. L'autonomie, c'est aller, c'est aussi et en même temps aller au bout de soi. Un peu, euh, ça me renvoie à des analyses qu'a pu faire Alain Reinberg sur la réalisation de soi, etc. Alors, quand on entre dans ce type de registre, et Dieu sait si nos sociétés nous y poussent, réalisez-vous, soyez vous-même, etc., quand on entre dans ce type de registre, on voit à quel point les choses deviennent difficiles, parce que quel est le modèle d'être vous-même Vous-même, vous êtes quelqu'un de singulier, vous êtes quelqu'un d'autonome, vous, vous n'obéissez pas du coup à un modèle collectif, vous répondez à quelque chose qui renvoie à votre propre singularité, à votre propre individualité. Qu'est-ce que c'est qu'être vous-même difficile de répondre. Et en même temps, il y a cette sorte d'injonction euh, qui consiste à ce qu'on ait à se réaliser, à ce que l'on aille au bout de soi-même, à ce que l'on soit véritablement soi-même. Je trouve qu'à la fois c'est très intéressant, bien entendu, parce que ça permet d'être dans une dynamique, ça permet de, de, de tenter des réalisations, c'est ne pas rester sur le mode de, de étal dont je parlais tout à l'heure, mais en même temps c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que euh, à partir de quand s'est-on réalisé À partir de quand a-t-on réussi véritablement ce qu'il fallait que nous réussissions Et aussi bien en termes psychologiques qu'en termes physiques d'ailleurs, qu'en termes physiques, euh, cette question à la fois se pose et en même temps elle a des réponses qui sont extrêmement difficiles et qui renvoient parfois à des formes de déception, à des formes d'insatisfaction, à des formes de sentiments d'irréalisation. Donc je disais que nous vivons une époque difficile. Euh, parce qu'elle est paradoxale. Euh, elle ne nous protège pas, si vous voulez. D'un côté, elle nous aide incontestablement à nous réaliser, nous sommes moins dépendants, et de notre côté, elle nous inquiète, parce que cette réalisation n'est ne pas, ne, pas aidée par des modèles dont nous pourrions disposer. Alors, je, moi, je ne voudrais pas verser dans le, dans le pessimisme. Je ne voudrais pas verser dans la critique systématique et dans la dénonciation. Euh, je pense que quoi qu'il en soit, on est toujours confronté à quelque chose qui est de l'ordre de l'épreuve. Qui qui... Exister, c'est quand même affronter, si vous voulez, de l'épreuve et de la réalisation. Donc, d'un autre côté, c'est aussi un petit peu incontournable. Mais je pense qu'il faut mesurer, il faut vraiment mesurer, la difficulté que cela représente. C'est vrai que les impératifs sont très lourds. Il y a des très normes lourd. extrêmement lourdes, très par exemple lourd. des normes de jeunesse, des sûr. modèles corporels, bien en sûr. particulier pour les femmes d'ailleurs. Et que tout cela soyez en bonne santé, soyez tout en forme, fait. soyez heureux, ça et, renvoie et, et à des voyez, normes très fortes. Et oui, bien sûr. Et part... Et vous voyez à quel point c'est particulier, parce que la, la, la norme traditionnelle, c'est fait ce que je vous dis. Bon. Quand vous lisez les grands traités de politesse ou de civilité, c'est euh, obéissez à tel et tel type de comportement, dont des comportements corporels d'ailleurs, qui sont parfois extrêmement exigeants sur euh, l'apparence, euh, la, la propreté, l'élégance, l'expression, etc. Euh, les, les normes qui existent à la cour de Versailles sont des normes, ne l'oublions jamais, d'une exigence considérable. Euh, c'est un écrasement que le sujet peut subir. Donc, on peut dire que nous en sommes sortis. Et que, euh, au fond, euh, nous avons la chance euh, de pouvoir nous réaliser et de pouvoir critiquer. Vous euh, voyez, entre le fils et le père, et puis de pouvoir critiquer les pères, de pouvoir les remettre en cause, etc. C'est beaucoup plus toléré. Là, là, un des premiers grands gestes, je trouve moi, dans, dans notre histoire, c'est le texte que, que Diderot peut écrire sur les pères, en disant "Bah, le père c'est difficile, mais le fils a à s'affirmer. Ça c'est magnifique dans l'histoire de l'Occident." Bon. Donc ça, c'est incontestablement positif. Mais en même temps, s'affirmer, s'affirmer jusqu'où, s'affirmer comment. Voilà. Et je pense que c'est en même temps la grandeur et la fragilité de notre, de notre époque, ce genre de paradoxe. Parlons de la pratique pour soi, parce que c'est dans la continuité. De ce oui, c'est dans la dire. continuité. Cette pratique pour soi qui s'accompagne... D'abord, elle peut être dans l'institution ou hors institution, et elle s'accompagne de nouvelles postures, de nouvelles. Alors, on peut essayer de, de creuser cela. Que, comment comprendre aujourd'hui ce, cette place de, du sport comme pratique pour soi Une fois encore, euh, c'est une pratique qui s'est accélérée dans les décennies récentes, mais c'est une pratique qui a une histoire. Et cette histoire, pour moi, elle commence réellement avec, une fois encore, euh, la deuxième moitié du 19e. Non pas forcément d'ailleurs avec la pratique sportive, mais elle commence avec la pratique de loisir. La pratique de loisir est une pratique où on vous dit, vous avez du temps pour vous. Et où on voit émerger des activités qui ne sont pas nécessairement des activités de compétition ou des activités sportives, mais qui sont des activités, au fond, de détente, où le temps que vous consacrez à elles sont est un temps qui vous appartient. La pêche, par exemple, vous voyez. Euh, on dit, ben la pêche, c'est une façon euh, de se retrouver soi-même, euh, ou euh, la promenade, euh, la flânerie. Euh. Donc là, il y a une conquête, aidée bien entendu par le dispositif collectif, dans la société industrielle d'ailleurs, qui, qui a un côté écrasant et qui a un côté libérateur. Il y a une conquête qui fait que l'individu s'appartient davantage. Au fur et à mesure que les décennies passent et que le 19e siècle s'affirme au fur et à mesure l'individu s'affirme également et s'affirme comment il s'affirme plus seulement à travers l'activité mais il s'affirme à travers ce que j'appelle l'accroissement d'un espace psychologique c'est il y a une sorte de bulle d'espace qui vous appartient qui est à vous bon. et cet espace qui est à vous c'est un espace où non seulement vous pouvez donner du temps pour vous appartenir, pour vous détendre. Mais c'est un espace aussi où vous pouvez vous construire pour retrouver en quelque sorte de la solidité de vous-même et vous affirmer mieux et davantage. Et ça aboutit à tout un ensemble de pratiques, cela. Euh, qui sont, euh, même dans certains cas, les pratiques d'hygiène. Par exemple, euh, euh, que, que, prenez du temps pour vous pour vous arranger, euh, pour euh, euh, améliorer votre apparence, prenez du temps pour vous pour renforcer euh, votre corps. Et je trouve aussi, prenez du temps pour vous pour vous mettre en forme, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure. Et c'est le grand succès que connaissent récemment euh, les salles de gym, les thalassos et aujourd'hui les spas. C'est un temps que l'on vous donne, à travers lequel vous ne jouez pas aux cartes, vous ne vous abandonnez pas, à travers lequel le fait de vous retrouver permet de vous reconstruire. Et cela ne peut être pensé qu'à partir du moment où vous construisez de l'espace psychologique. Ce n'est pas seulement de la bulle vide, c'est de la bulle qui renvoie à votre propre intériorité. Pourquoi Parce que votre intériorité sur l'espace des décennies, elle s'est incontestablement creusée, elle s'est incontestablement construite et de cette histoire de l'intériorité. Je veux dire, et de cette intériorité, on peut faire l'histoire, qui commence par des injonctions, ayez confiance en vous. Vous savez, les grands textes des Américains, euh, pour votre travail, prenez confiance en vous, euh, améliorez votre mémoire, améliorez votre personnalité, etc. Injonction. Et puis, progressivement, prenez du temps, retrouvez-vous. Appartenez-vous. Et ça, c'est, je pense, un, un, une caractéristique considérable du XXe siècle, qui est la construction de euh, l'espace euh, psychologique, qui me paraît totalement nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait appeler auparavant euh, comme étant l'espace moral, si vous voulez. Donc, à la fois une, une épreuve de soi oui. et en même temps la découverte en soi d'une sorte de transcendance. D'un espace de soi. Alors, l'idée alors, de la transcendance me paraît effectivement très importante. Parce que d'un côté, vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé C'est difficile de définir sur le XXe, mais qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé, dans les sociétés occidentales, me semble-t-il, un certain recul de la transcendance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la transcendance C'est le fait de penser à de l'ailleurs, c'est le fait de se projeter dans de l'ailleurs. Alors ça, la transcendance, ça peut être l'idée qu'existe une surnature, mais la transcendance, ça peut être aussi l'idée qu'existe dans un temps à venir une possibilité de faire, de se retrouver, de se réaliser, etc. Incontestablement, ça a reculé. Ça a reculé pour des raisons que l'on connaît bien, qui sont à la fois des raisons économiques. Qui sont à la fois des raisons économiques, au sens où on ne, bat, on ne bâtit plus son, son bas de euh, pour pouvoir euh, profiter de ces économies euh, dans 30 ans, mais au contraire, euh, euh, on, on dépense tous les mois un petit peu pour ces fameuses économies, on n'y pense plus. Et en revanche, on a des crédits qui permettent de partir en vacances aussitôt, vous savez, dans les banques, euh, entrer, vous pouvez partir, etc. Donc on voit comment, de ce point de vue, la transcendance se joue totalement autrement. Plus dans un projet euh, lointain, mais dans des disponibilités immédiates. Ça, c'est le problème économique. Bon. Le problème politique a reculé. Le problème politique, c'est plus les lendemains qui chantent, euh, c'est plus euh, les sociétés. Euh, Battez-vous comme des, comme, comme des fous pour que votre société change dans 40 ans. Euh, la société qui change dans 40 ans ne vous intéresse plus. Bon, euh, Donc la, la, la transcendance politique a euh, incontestablement reculé. C'est les fameuses analyses de Lyotard que personnellement j'aime beaucoup. C'est le recul des grands discours et des grandes promesses. C'est ça que l'on appelle la société postérieure. Les grands récits qui ne promet plus. Les grands récits. Bon. Est, la société euh, postmoderne euh, ne promet plus. On a pris l'exemple euh, de, de l'économie, on a pris l'exemple de la politique, on pourrait prendre l'exemple de la religion. Mais même ceux qui continuent de croire euh, croient sur des données qui ont à se réaliser dans l'immédiat. Il faut que Dieu m'aide maintenant pas qu'il m'aide pour l'éternité, il faut qu'il m'aide dans ma situation présente. Donc là, il y a une immense conversion qui est extrêmement intéressante au niveau euh, philosophique et anthropologique. Alors ça aboutit à quoi Est-ce que ça aboutit à un effacement de la transcendance Je serais beaucoup plus nuancé personnellement. Je ne pense pas que la transcendance ait disparu. Je crois que nous avons besoin, ne serait-ce que parce que nous sommes des vivants et des vivants conscients, nous avons besoin de la transcendance, nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin d'exister dans de l'ailleurs. Bon. Y compris dans le voyage immédiat d'ailleurs. C'est de la transcendance immédiate. Donc, nous n'y échappons pas. En revanche, je pense que l'immense conversion qui s'est produite, c'est que cette transcendance s'est rabattue. Elle s'est d'une part rabattue sur le sujet, qui se promet des choses à lui-même, se réaliser par exemple. Se dépasser. Se dépasser. Et elle s'est rabattue sur le corps, ce qui m'appartient. C'est ça que je dois transformer. C'est ça que je dois véritablement redistribuer. Vous voyez Donc, il y a. On retrouve l'impératif, là. On retrouve l'impératif. Il y a ces idées extrêmement euh, intéressantes et extrêmement présentes qui sont si je transforme mon corps, je peux me transformer. Et transformer mon corps, c'est un projet. Donc, rabattre en quelque sorte ce qui était de l'ordre de l'ailleurs, ce qui était de l'ordre du lointain, ce qui était de l'ordre, au fond, du, euh, de l'avenir, vous voyez et du collectif le rabattre sur le sujet comme porteur d'un projet selon lequel si je me transforme moi en termes psychologiques mais si je me transforme moi en termes physiques, je peux totalement redistribuer mes possibles, redistribuer mes manières de vivre et redistribuer, ne l'oublions jamais, ce qui est fondamental, mes manières de me ressentir et de m'éprouver. D'où cet enjeu totalement nouveau qui est donné au corps aujourd'hui. Comme instrument de transformation profonde de soi, et pas simplement comme instrument de nouvelle apparence de soi ou de nouvelle performance de soi. Ça, je pense qu'on ne le prend pas, à mon avis, suffisamment en compte dans les études de sciences humaines, alors qu'en fait, c'est assez central, sinon fondamental. Et tout cela conduit aussi à se poser la question de savoir si ça ne transforme pas, modifie pas le statut du, du héros, celui qu'on imite. Est-ce que l'exemplarité n'est pas par la même transformée oui, bien sûr, parce que le, le héros, c'est très compliqué l'affaire du héros. C'est très compliqué, parce que le héros, pendant très longtemps, c'est le héros euh, considéré comme euh, inaccessible, intouchable, qualitativement différent. Et celui, c'est le saint, si vous voulez. Et celui qui vous promet une réalisation, mais pour un lointain extraordinairement éloigné. Le saint est un bel exemple. Bon. Je pense que le héros, aujourd'hui, Continue d'exister. La télévision le montre, les affiches le montrent, le cinéma, même le roman. Le héros continue d'exister, mais il s'est profondément transformé. Il s'est transformé de deux manières. D'une part, parce que pour qu'il puisse exister, il faut qu'il donne le sentiment qu'il vous ressemble, que c'est le même que vous, et il faut qu'il donne le sentiment qu'il est éloigné, que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas le héros. vous Voyez, il faut que vous le deveniez. Première transformation, mais c'est le même. Autrement dit, euh, vous le touchez. Euh, Ce n'est pas, pas un être différent. Vous le côtoyez, vous voyez. Et du coup, euh, peut-être, il, il est moins porteur de cet aspect sacré qu'il pouvait avoir. Mais il continue d'en avoir un petit peu de sacralisation. Bon. Et en même temps, le héros, c'est quelqu'un qui peut vous donner le sentiment que vous pouvez vous transformer dans un temps... Relativement proche, relativement repérable, relativement immédiat. Et je pense que c'est vraiment fondamental comme transformation anthropologique du sujet. Parce que ça renvoie à l'idée que le sujet possède en lui-même sa potentialité de transformation. Ça. on peut même se demander là s'il n'y a pas une sorte de, 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 de transcendance, entre guillemets, héroïque. Oui, et puis de trans... <laughs> oui. Voyez, il y a à la fois cette transcendance héroïque et il y a cette transcendance que vous pouvez tenir entre vos mains, que, qui était à votre disposition, en quelque sorte. ça c'est extrêmement nouveau. Nouveau statut de la transcendance, totalement, domestication totalement de la transcendance. Totalement, domestication de la transcendance, totalement nouveau. Tout cela peut nous conduire à une réflexion peut-être sur, la, sur la, la pédagogie, parce que nous parlons d'exemples, de héros, de cette pratique pour soi. Euh, la pédagogie, l'apprentissage par exemple, pensons au, à l'éducation physique et sportive, euh, c'est un apprentissage qui se fait très souvent euh, par l'exemple, par la répétition d'un geste. Euh, que que pensez-vous de, de, de la standardisation qui peut naître de cette répétition Est-ce qu'il y a une créativité possible Est-ce que la référence à un exemple que l'on copie, que l'on duplique par exemple, un geste modèle qu'on duplique, est-ce que cela n'aboutit pas à une stérilisation du geste la chose qu'il faut dire, euh, c'est que le pédagogue des pratiques physiques aujourd'hui a à sa disposition une manière d'objectiver la pratique beaucoup plus précise que celle qu'il pouvait avoir dans la tradition. Euh, lorsque vous suivez un geste d'escrime dans la tradition, vous n'avez absolument pas d'instrument qui vous permette d'arrêter les séquences du geste, il vous permet de, de repérer très précisément quels sont les enchaînements les plus efficaces et les plus intéressants. Or aujourd'hui, vous avez à votre disposition des manières d'objectivation que tout le monde connaît bien, qui sont euh, les caméras, euh, les systèmes informatiques, etc. Vous avez des manières d'objectivation qui vous donnent une connaissance incontestablement meilleure euh, du geste que celle que vous aviez jusque-là. Donc vous avez à transmettre plus et mieux que vous n'aviez auparavant. Ça, c'est un premier point, et il est quand même très important. Parce que les, les, les éducateurs physiques sont vraiment autrement armés qu'ils ne l'étaient. C'est une, une première question. Vous avez une deuxième question qui est quand même celle de la, du déplacement très fort des systèmes autoritaires. Alors, ça entraînerait un discours sans fin, à cette question. Mais quand vous lisez les premiers traités de gymnastique, vous savez, les premiers traités, ils ne sont pas si anciens que ça. Hein. Le premier grand et vrai traité de gymnastique, c'est un traité qui date du début du 19 siècle. C'est un traité purement militaire, qui, 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 qui fonctionne sur le commandement. C'est-à-dire, euh, vos élèves, vous les placez euh, sur un mode géométrique et puis le geste, vous le commandez au sifflet. Bon. Et là, on voit bien comment il y a une sorte de distance infranchissable entre le maître et le théâtre, en quelque sorte, euh, des élèves. Or, aujourd'hui, euh, ce système autoritaire euh, a été profondément bouleversé et, incontestablement, euh, il, il, il comporte des, des procédures qui font beaucoup plus place à la tolérance, à l'acceptation, à l'écoute, à la tentative de comprendre quelle est la sanguinité de l'élève, au fait qu'après tout, vous pouvez aussi toucher l'élève, etc. La, la, le, le système relationnel, on pourrait en parler des heures, mais le système relationnel s'est totalement transformé. Il y a une troisième donnée que je trouve très importante dans la question pédagogique. Cette troisième donnée c'est celle qui place le pédagogue dans une position totalement différente que peut l'être le savant. Alors pourquoi Parce que pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, le pédagogue n'est pas celui qui, malgré tous les instruments dont nous venons de parler, n'est pas en mesure de connaître de bout en bout l'efficacité d'un mouvement. Il ne peut pas connaître de bout en bout l'efficacité d'un mouvement. Parce que, je le répète, on ne va pas recommencer ce que nous avons dit. Les surfaces articulaires ne sont pas géométriques, l'ensemble du corps n'est pas un système balistique euh, obéissant aux simples lois de la mécanique. N'insistons pas. Donc il ne sait pas exactement comment peut-il agir. Il faut à la fois qu'il dise et en même temps qu'il soit conscient que ce qu'il dit ne va pas jusqu'au bout de ce que l'on peut savoir. D'où ce troisième point très important, où le pédagogue doit avoir l'intuition, qui me paraît personnellement très difficile, pour ne pas dire assez rare, l'intuition qui consiste à convaincre l'élève que ce qu'il dit est effectivement objectif or lui il sait que cette objectivité a ses limites. voyez le pédagogue me paraît personnellement des pratiques corporelles mais tous les pédagogues en général mais des pratiques corporelles en particulier. le pédagogue me paraît sur une, un fil sur lequel il est difficile de trouver de l'équilibre c'est un vrai défi mais c'est un défi absolument passionnant. Et puis le jeu qu'il y a entre l'imitation féconde, car tout enseignement euh, Exactement. repose sur une partie de l'imitation. Et, et, le... et en même temps, la limite voilà. de la seule imitation. Et le champion, c'est là qu'on limite. Hein. Oui, mais c'est là, vous voyez, c'est là que le pédagogue a un jeu très important à faire. Parce qu'il doit parvenir à prendre en compte... La singularité de celui qui est devant lui. Euh, un, un service, pour prendre un exemple tout bête, un service au tennis n'est pas du tout le même euh, d'un champion à un autre. Et ça, c'est le pédagogue qui peut le percevoir. Donc, ça, ça fait trois types de difficultés, euh, où, dans certains, des, dans certains cas, le pédagogue est aidé, et où, est, où dans d'autres cas, il est moins aidé. Alors ça, c'est la relation pédagogique. J'aurais dû mettre à l'élève. Vous avez dit tout à l'heure que le maître peut même. Presque toucher l'élève. Oui, pas trop. Pas trop. Euh, oui, par contre, il y a, contre, il y a euh, aussi peut-être euh, la fonction d'exemplarité ou d'imitation euh, dans la compétition. Est-ce que la, le sport de compétition a une fonction euh, féconde C'est ce une question à laquelle il est relativement difficile de répondre. Ce que l'on peut dire, c'est qu'incontestablement, le milieu des acteurs aide ceux qui cessaient à certains gestes. Autrement dit, le fait de voir le fait d'être au contact de ce qu'ils font, d'une manière assez obscure, mais d'une manière incontestable, aide les réalisateurs à mieux effectuer ce qu'on attend d'eux. Donc là, le milieu joue un petit peu comme un facteur d'imprégnation, vous voyez. Et en même temps, moi je continue de penser, je peux me tromper, mais je continue de penser... Que il faut que l'acteur trouve son chemin, si vous voulez. Il faut que euh, la, la réalisation à laquelle euh, il se soumet euh, puisse correspondre parfaitement à des qualités qui sont les siennes et des qualités qui en dernière ressort sont singulières. Donc vous avez cette, euh, cet équilibre à trouver extrêmement difficile entre le fait de rentrer, quoi qu'il en soit, quand même, dans des procédures de modèle que le pédagogue doit transmettre et dans des procédures de singularisation que le pédagogue doit Parvenir à faire exister au niveau de la conscience de l'acteur et du pratiquant. Alors j'ai envie pour pour terminer qu'on qu revienne sur une Notion, un concept que, que l'on doit à Marcel Mauss, euh, qui est le concept de fait social total. Alors, en quoi le sport est-il un fait social total Définissons peut-être la notion de fait social total. Bah, fait social total, c'est un phénomène qui inclut euh, un ensemble considérable de dimensions, de comportements et de références qui font une société. C'est-à-dire, euh, on voit bien qu'une société ne peut pas exister sans de l'institution, une société ne peut pas exister sans de l'économie, une, une société ne peut pas exister sans des relations sociales, euh, une société ne peut pas exister sans de la culture. Vous voyez, il y a tout un ensemble euh, de phénomènes extrêmement euh, variés euh, qui donnent à la fois de la couleur, euh, de la cohérence et de la dynamique à une société et qui la font exister dans une temporalité et dans une réalisation. Bon. alors quand on dit que le phénomène sportif c'est un phénomène social total c'est que on dit qu'il relève de cet ensemble de données et qu'il participe finalement à une société dans sa dynamique et dans sa spécificité. Le phénomène, le phénomène sportif, c'est un phénomène qui ne peut pas se comprendre sans l'économie, et la technique elle-même d'ailleurs, la, la réalisation du geste elle-même, qui ne peut pas se comprendre sans le fait que ce geste il est totalement imprégné de culture, qui ne peut pas comprendre, se comprendre sans le fait que ce geste il est distinct d'une classe sociale à une autre, qui n'appartiennent pas selon les versants sur lesquels il se trouve, qui n'appartient pas au même milieu, qui renvoie à des références différentes, euh, que euh, je dis économie. Culture parlant de l'institution. Ce phénomène il est totalement traversé. Par de l'institution, ils relèvent de fédérations sportives qui sont gérées euh, sur un mode collectif, qui sont gérées sur un mode politique. Donc le sport est complètement intégré dans cela. Alors que vous avez des jeux qui peuvent être totalement isolés. Vous pouvez très bien euh, faire un, un jeu de Paris euh, avec un copain euh, en sortant de cette salle, euh, qui est complètement indépendant euh, des institutions, complètement indépendant des phénomènes politiques, etc. Or le phénomène sportif, lui, n'est pas. Indépendant. Parce que n'existe pas en dehors de la politique, de l'institution, de la culture, euh, de l'économie, etc. Et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant. Il est extrêmement intéressant, bien entendu, parce que il a un côté intellectuellement euh, passionnant puisqu'on ne peut le comprendre qu'à travers euh, ces diverses entrées que je viens d'évoquer. Mais il est extrêmement intéressant parce que le connaître nous permet du coup dans la mesure où c'est un phénomène social total, nous permet du coup de mieux connaître nos sociétés, de mieux les identifier, de mieux traverser, de mieux marquer leurs caractéristiques, leurs angles, et finalement ce qui fait qu'elles ont quelque chose qui est dehors de la vie et de la dynamique. Donc phénomène social total par la multitude ou la multiplicité des facettes. Et il est intéressant d'ailleurs que, que vous-même, hein, vous êtes au départ professeur d'éducation physique, agrégé de philosophie, vous faites un travail d'historien. D'une certaine façon, votre propre démarche, pas votre propre histoire, oui. fait sauter un certain nombre de cloisonnements disciplinaires. Et ça vous permet d'avoir une approche justement de cet objet qui, sans cela, serait fuyant. – Certains objets méritent d'être abordés en croisant des angles différents pour mieux les comprendre, vous voyez, et ce dont nous souffrons peut-être parfois, pour des raisons que l'on peut comprendre et qui sont souvent des raisons d'efficacité. Ce dont nous souffrons dans nos démarches scientifiques, c'est que, euh, je le répète, pour des raisons quelquefois d'efficacité, de visibilité, ce dont nous souffrons, c'est que ces démarches sont souvent très, euh, très locales, très spécialisées, très, non pas enfermées, mais quand même tenues dans des frontières qui font que le discours du sociologue n'a strictement aucun rapport avec celui de l'économiste et encore moins de rapport avec celui du psychologue, et que les lectures ne se croisent pas, que le sociologue ne lit pas le psychologue, etc. Or, j'ai le sentiment personnellement que euh, ce que je vais dire est assez banal, mais en même temps, ça se fait très peu, ou à la limite, ça ne se fait pas. J'ai le sentiment personnellement que certains sujets méritent mieux et mérite d'être abordé dans des croisements, et mérite d'être abordé dans les traversées, vous voyez. Et je crois que le phénomène sportif se prête magnifiquement à des entrées multiples et à des entrées croisées. Oui, parce que cet objet n'est pas en attente d'être décrit, c'est un objet qu'il s'agit de construire, d'élaborer, et il ne peut être élaboré que par des, des approches théoriques multiples et Multiple, conjuguées. Et croisées, comme je et le croisées. disais. Je voilà. pensais à quelqu'un que vous connaissez oui. et que vous aimez bien, c'est Edgar Morin, quand il bien a sûr. étudié la mort. Évidemment. Il s'est rendu compte déjà qu'aller dans une bibliothèque pour travailler sur la mort, on s'aperçoit que la documentation est éparpillée en départements extrêmement isolés, que la mort comme telle est impensable Exactement. institutionnellement, oui. donc il faut se donner les moyens pour la penser. Oui. D'une certaine manière, c'est ce que vous avez fait. Et je trouve qu'à cet égard, le, le de Morin. Oui, je trouve qu'à cet égard, l'exemple de Morin est tout à fait euh, remarquable et passionnant. Euh, et, et quand vous dites objet, je pense que vous dites quelque chose de très important. Comment faire exister des objets qui, au niveau d'une science, ne sont pas nécessairement pris en compte ou sont considérés comme dérisoires, alors que lorsqu'on croise des sciences, ils se mettent à avoir une importance remarquable et surtout, ils sont profondément élucidateurs de ce que sont nos sociétés. Ça, c'est très très important à mon avis. Lorsque l'on parle de... Fait social total, on insiste sur les approches pluridisciplinaires. C'est déjà une manière de dire que le sport ou les pratiques sportives ou le phénomène sportif est un objet d'étude légitime que l'université a pris en charge et qui a aujourd'hui un statut universitaire incontesté. Euh, c'est quelque chose qui est peut-être à, à souligner c'est que pendant très longtemps, le sport euh, était un, un objet quasi trivial. S'en occuper n'était pas très valorisant. Pour le chercheur. Oui, parce qu'on part toujours des questions d'aujourd'hui et on a le sentiment que ces questions étaient les mêmes dans les temps précédents. Or, bien sûr, et c'est très important de le souligner, ce n'était absolument pas les mêmes. Ce n'est pas parce que le sport naît à la fin du 19e siècle et qu'il a déjà un certain succès, c'est pas pour cette raison-là que le sport avait la présence sociale qu'il a aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un comme Pierre de Coubertin, euh, par les politiques de 1900, au moment des Jeux olympiques de Paris, quelqu'un comme Pierre de Coubertin n'est pas tellement pris au sérieux par les politiques. Et les politiques disent par exemple, euh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce retour des Jeux olympiques, cette croyance à l'antiquité, cette sorte d'archéologie euh, de la culture qui n'a aucun rapport avec euh, les intérêts d'aujourd'hui donc voilà ce que disent les hommes politiques. Et que font-ils en 1900 lors des Jeux Olympiques de 1900 Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je trouve que c'est un exemple extrêmement parlant. Que font-ils Ils écartent Pierre de Coubertin. Le créateur des Jeux Olympiques n'est pas du tout l'organisateur des Jeux de 1900. Il est mis quasiment sur la touche. Et c'est finalement la, la grande gymnastique telle que l'entendent euh, les hommes de la République française, de la troisième République, les hommes de 1900, c'est la grande gymnastique qui est mise au cœur des Jeux olympiques de 1900. Donc vous voyez, le, le, les pratiques, le sport tel qu'il a existé pendant longtemps n'avait ni la présence sociale que nous lui connaissons aujourd'hui, ni la reconnaissance sociale que nous lui connaissons aujourd'hui. Et dans une certaine mesure... Il représentait moins, je dirais, euh, la société euh, telle qu'elle s'éprouvait, telle qu'elle se valorisait euh, au début du XXe siècle et peut-être même encore dans l'entre-deux-guerres. Ce qui valorisait davantage, c'était peut-être euh, les activités de loisirs au sens large du terme, c'était les activités culturelles, c'était le camping, c'était euh, les sorties, c'était les vacances bon, et le sport. Bien sûr, avait une présence, mais en termes, à la fois, je répète et j'insiste, de quantité de pratiquants, euh, de quantité de présence et de valeur de présence, était très loin des taux d'aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui Bien entendu, nous l'avons dit, redisons-le, il se produit d'une part une immense présence de pratiquants, environ 14 millions de gens qui sont licenciés, ce qui est considérable. Et il se produit une immense présence de spectateurs d'une part et de téléspectateurs d'autre part. Donc le sport devient à la fois extraordinairement présent dans nos sociétés et ne l'oublions pas, il devient extraordinairement valorisé comme représentatif de ce que nos sociétés attendent dans les personnalités préférées des Français. Qui voit-on aujourd'hui dans les grandes enquêtes Des sportifs. Pendant longtemps, on a vu l'abbé Pierre. La Pierre euh, disparaît. Ce sont des gens comme Zidane, ce sont des gens comme Douillet euh, qui sont les personnalités préférées des Français avant même les hommes politiques. Donc on voit bien que le, le, le sport a à la fois, en termes de quantité, une présence extrêmement marquée et en termes de valeur, une forte, un fort prestige extrêmement marqué. Et je crois que c'est ce qui fait que l'étude sur le sport peut être évocatrice, euh, susceptible d'explicitation, etc., euh, et, et mérite d'être euh, véritablement engagée, d'une part, et c'est ce qui fait aussi, d'autre part, que euh, ce sport euh, devient une sorte de, de symbolisation d'un certain nombre d'attentes, d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre de valeurs que notre société peut avoir aujourd'hui. Et tout ce que vous dites, il euh, y a une sorte d'illustration, c'est le statut même des, des professeurs de, qu'on appelait jadis de gymnastique, dont le statut était un statut souvent assez dévalorisé dans le système scolaire. Et c'est quelque chose qui change. Oui, c'est quelque chose qui change. Est-ce que le changement est radical euh, Moi, je ne suis pas vraiment en mesure de le dire. Je pense qu'il faudrait faire vraiment des enquêtes sérieuses. Mais il est évident, quand on parle avec des enseignants de disciplines diverses ou lorsqu'on parle avec des enseignants d'éducation physique, il est tout à fait évident que leur présence est comprise autrement euh, que leur pratique est également pensée autrement et que leur engagement sur un certain nombre d'actions qui sont comprises dans les lycées ou qui sont comprises dans les collèges, un, un, un certain nombre d'engagements de, de, dans leurs actions, dans les actions de, de, de pédagogie ouverte, des, les, les, les actes pédagogiques en dehors de l'enseignement proprement dit, toute cette présence-là, toutes ces actions-là sont autrement euh, valorisées et engagent autrement les enseignants d'éducation physique. Donc je crois que les choses à ce niveau-là euh, changent et ce changement est symbolique.